sur YouTube, y'a des gens sympas qui font des vidéos pour toi. Toutes leurs émissions, ils le font avec passion. Sur YouTube, y'a des gens sympas qui te soutiennent quand il arrive. Salut à tous, je m'appelle Hercule, mes potes m'appellent Herc. Et là, c'est là où j'habite, mais par contre, j'ai galéré avant d'arriver ici. Et ça, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Ça, c'est moi quand j'étais bébé. À l'époque, j'étais brillant, ça a un peu changé. Et ça, c'est mon daron. Petit bébé. Hein? Il est à moi, le petit bébé, Oh, il est un peu con, hein. Pourquoi on l'a pas appelé Jean-Louis? Oh, bah parce que Jean-Louis t'ennuie. Il est pas comme ça. Pourquoi on l'a pas appelé Ilias? Oh, bah parce que Ilias t'agace. Et il est pas comme ça. Pourquoi on l'a pas appelé Brigitte? Oh, bah parce que Brigitte t'irrite. Et c'est un garçon. Et tu penses que Hercule, ça ira? Franchement, chérie, je vois aucune blague possible avec ce prénom, hein. Moi, je vois bien une blague à faire avec. Mais ça te plaira pas. Sinon, vous en pensez quoi de ma nouvelle voix? Hein? Ma nouvelle voix, je fais ça avec la gorge, hein? Hein? C'est super chaud à faire. Bon, d'accord, ok, super ambiance. Et ça va, mon gros tout rouge? Et Aphrodite, j'adore tes tits. Et Hadès, mon frère qui est foutu aux enfers, alors comment ça va dans ton trou? Ah, tu sais, rien de bien neuf, hein, la vie, la mort, conspiration pour prendre ta place, et un énorme mal de crâne, je comprends pas pourquoi. Eh ben croyez-le ou non, mais mon bâtard d'oncle, il m'a forcé à boire une potion pour que je devienne un plouc de mortel, sans vouloir vous offenser. Mais comme j'ai pas tout bu, bah je suis toujours fort, contrairement à vous, plouc de mortel, sans vouloir vous offenser. En grandissant, les gens ils m'aimaient pas parce que j'étais différent, plouc de mortel, va. Eh, je peux jouer avec vous? Ouais, bah tu joues pas avec nous parce qu'on aime pas ta gueule. Tu devrais pas écouter ces bolosses de rageux, toi tu sais ce que tu veux. Ouais, je sais, mais bon, personne veut jouer avec moi, personne s'approche de moi. Je peux même pas pécho. Moi j'aurais bien aimé une petite caille. Une petite meuf, quoi. Quelqu'un avec qui je pourrais faire des trucs sexuels, quoi. Des trucs de fesses, ce serait cool. Là je dois le faire tout seul, c'est chiant au bout d'un moment. Arrête de dire ça, c'est dégueulasse. Je voudrais une meuf pour faire des trucs avec. Ben c'est au moment où j'ai pété un câble et j'ai commencé à chanter tout seul que mon père m'a dit que c'était pas mon père qui m'avait adopté, ce plouc de mortel. Salut! What the fuck, cette statue m'a parlé? Je m'appelle Zeus, je suis ton père! Viens là, Coco! Ah! Sur le coup, j'ai crié comme une femmelette parce que je pensais que mon père c'était une statue. Du coup, ça remettait en cause beaucoup de choses pour moi. Désolé, hein! Ouais, c'est facile! On a dû t'abandonner parce que t'étais devenu un plouc de mortel! Et nous, on fréquente pas les mortels! Ils sont vicieux et méchants, tous des bâtards! Ouais, je sais, je les vois tous les jours! Ah, mais c'est trop une bonne idée pour que tu viennes sur le lab! Ah ouais, je dois faire quoi? Vas-y, dis-moi! Deviens un héros! Pousse, tu te fous de ma gueule, c'est ça, hein? Si toi t'es le fils de Zeus, moi je suis Nabila! S'il te plaît, quoi! Est-ce que j'ai une gueule à m'appeler Nabila? Et bah comme il tenait à sa vie, bah fais-le tête, il m'a entraîné, c'est comme ça que je suis devenu Hercule. Ça y est, le beau gosse et tout là. Bon mon petit Herc, il y a une petite différence entre l'entraînement et la vraie vie, d'accord, on va aller... Ah bah ça c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, allez on y va. Monsieur, s'il vous plaît, je voulais ça... bonjour, je voulais savoir s'il y avait moyen que vous laissiez la petite dame tranquille. Ça va aller, t'occupe pas de ça mon chou. Écoute la gonzesse, je crois que tu comprends pas que t'es en danger, alors je vais te sauver quand même. J'avais pas marqué des points. Eh petit merdeux, utilise ta tête. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on m'a dit que j'ai la tête dure, mais bon c'est maintenant que j'ai vu que c'était vachement utile. Ah bah désolé madame, vous êtes tombée dans l'eau, vous êtes toute mouillée. Je dis ça en toute innocence. Bon, hein. Ça. Du coup je voulais savoir s'il y avait moyen d'avoir son numéro, un truc de... Oh. Le gars qui a toujours raison là, bah c'était le premier monstre que j'ai tué. Après j'en ai tué plein d'autres. Mais attendez au passage, vous trouvez pas que ça ressemble à un Sboob ce qu'il a sur la tête? C'est dégueulasse. Après des monstres, j'en ai explosé plein, c'était marrant à faire, c'était drôle, j'ai passé le temps. Du coup, les gens, ils m'aimaient bien et j'étais super connu, mais j'arrêtais pas de penser à Megara et son joli petit. Hercule, regarde cette putain de routeur! Philoctète, je suis content, je suis trop heureux, je suis amoureux! Je vais enfin avoir une petite caille pour faire les trucs de fesses. Comment te dire? J'ai trop hâte de l'avoir à poil! Non mais sérieux, il faut que tu m'écoutes là! Position. Mec, il est un gars! Il m'a avoué que ça le kiffait de s'aiguiser en fille! Mais c'est n'importe quoi, en plus pourquoi elle te l'aurait dit à non, toi? Non mais sérieux, Hercule, je te mens pas! Écoute, si elle avait un zizi, je l'aurais remarqué! Et elle a un pénis entre les et jambes! Et comment tu le saurais, hein? Parce que moi, si je m'habille en fille! C'est vrai que des fois, il venait légèrement maquillé aux entraînements! Bah c'est pas grave! Très bien, je rentre chez moi, parce qu'il y a une de nous deux qui est trop dans ta vie! Et télé! Salut Herc, je m'appelle Hadès, mais tu peux m'appeler Brigitte! Je signe pas d'autographe là! Écoute-moi bien, hein! J'ai un truc à te proposer! Un truc tout con. Je pense que t'es doué pour ça, hein. Les trucs cons, je veux dire. Tu pars en vacances. Avec ta meuf, ton gars, enfin, je sais pas trop, toi-même, tu sais pas, on dirait, hein. Ça va compliqué quand même. Donc, ça serait cool, quoi. Arrêtez que ça. Megara? Alors, mon petit chou, tu vas enfin lui dire que t'es un mec. Allez, dis-lui que t'es un pénis. Non, écoute, Hercule, je voulais te le dire avant, mais. Y'a toujours quelque chose entre nous? Ouais, il y avait quelque chose. Ton zizi, j'ai perdu mes pouvoirs parce que j'ai été trahi, j'avais plus foi en moi. Je sais, je suis fragile.
Du coup, Hadès a profité pour libérer les titans et aller conquérir l'Olympe. Je veux pas trop vous alarmer, mais c'est pour vous dire que les titans sont là et nous attaquent! Même si j'étais devenu un plouc de mortel, j'ai essayé de défendre l'Olympe, j'ai failli crever. Et Meg m'a sauvé. Meg, non! Pendant que Zeus défonçait les titans, bah c'était à prévoir, hein. Moi, je suis allé aux enfers récupérer l'âme de Megara, parce que, bah, quand même, y'a moyen de faire des trucs bien avec elle. Hein, c'est pas si grave que ça que tu sois un gars. Il faut savoir rester ouvert aux nouvelles expériences, hein. Hey, j'espère que ce Hercule résumé en 5 minutes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à partager la vidéo. Ce serait génial, ce serait super gentil. Pour avoir plus d'infos sur les prochaines sorties ou autres conneries de ce genre, venez me rejoindre sur Facebook ou Twitter. En espérant que cette vidéo remplie d'allusions à de la fesse ne vous aura pas choqué, parce que le but n'est pas de vous choquer ou faire du buzz en disant des trucs de fesse, mais de rigoler, voilà, le but c'est de rigoler, donc bref, que ça vous aura pas choqué quoi, je veux dire, c'est bon. C'est pas choquant. Il y a des trucs pires qui se disent, non? Non? Non, j'ai l'impression de... J'ai choqué des gens, pour ça. C'est pas mon but, hein, de choquer. Je suis gentil. Abonnez-vous !